C'est toujours la question avec ce genre de level design, c'est-à-dire que pour des... On vous appelle. Pour des... les gens qui travaillent sur place, là, tranquillement, genre en mode normal, du coup... Bon, vous allez me dire, oui, en fait, toutes les structures sont aussi un peu détruites, mais... D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi c'était détruit ici, hein, mais... Ok. Mais du coup, sinon, ça doit être compliqué de se déplacer dans ces laboratoires. Pas très bien pensé, hein. Pas très ergonomique, hein, cette histoire. Le truc, c'est qu'il va falloir revenir ici pour le numéro 4. Transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée. Ah, mais parce qu'il y a un téléphone ici. C'est parce qu'il y a un téléphone aussi sur la plateforme centrale. Du coup, on pourra leur téléphone. Eh bien. Petit coffre. Petit coffre, petit banc. Y a pas un truc en promo là par hasard? Si. Et du coup... Si, ça a quand même rendu toute sa vie. Donc a priori, si le banc rend de la vie à tout le monde, y compris à Tifa et à Iris, a priori. C'est pas juste pour l'équipe, les deux actifs. Bon, même si là, c'est techniquement deux ennemis, parce qu'il y a Red aussi, il y a Rouge. Il y a Rouge. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, mais attendez. Attendez. Rends-moi ma matéria. C'était quoi? C'était résurrection? Pourquoi résurrection là? Ah, parce que du coup je l'avais mise et du coup après j'avais remplacé par analyse. Salle numéro 2 du barillet. Ça sent pas bon. Encore une expérience de Hojo. Et l'arme de Cloud, c'est quoi déjà? Ah oui, il faut effectuer une riposte avec qui vive, c'est vrai. Mais du coup, il nous faut des ennemis qui veulent bien nous attaquer et nous faire faire... et nous taper, quoi. Il y a un coffre, là. Oh bah des énénés! Début de l'expérience. On donne tout ce qu'on a! Des énénés, le retour! Ah mais c'est Red qui fait le truc en l'air là. Est-ce que ça marche face à ça? Ah non, ça a rien fait. Mais on s'est pas fait choper ceci dit. Ah ça y est, il passe en mode énervé. Ah il veut pas hein ce bâtard hein. Ah si c'est bon. Oh juste sur le finish on l'a eu, le bonus de maîtrise. Ah mais il est là ce connard. Pardon je veux dire. Ah toi, un de ces quatre. Putain Barrette. Je note l'absence de symptômes immédiats suivant votre contact avec les spécimens. C'est fascinant. Hé ! Reste où tu es !
Il faut qu'on continue. Oh, la musique qui s'énerve là. Ah, un bracelet mystique. Toujours avec en fond un petit peu la musique de combat. Ah bah voilà le bracelet mystique, l'inverse du bracelet en métal lourd. Pas de matéria, mais grosse défonce. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, il y a du bon, il y a du lourd. Allez, vas-y, ramène ta fraise, toi. Début de l'expérience. Évacuation immédiate du personnel. Début de l'expérience. On donne tout ce qu'on a. Vous êtes des mondes. Lui, c'est quoi? C'était la foudre et le vent. Très bien. Ah, mais il y a aussi des drones paralyseurs qui arrivent. Il y en a 3. Très bien. Putain, mais Barrett fait un effort quand même. Allez, non, mais sérieux. C'est pas vrai. Il est temps de faire un carton. Allez, à toi. Garde ton sang-froid. Ouais, ok, je m'en blague. Ah mais attendez, lui. Ah, il essaie, hein. Il essaie de le charger, sa merde, hein. Ouais, bon, après, sinon, on le défonce, hein. En vrai, sinon, au pire, on lui explose sa gueule, hein. Alors, ça te va, connard? Alors, c'est comment de voir tes jouets préférés se faire fracasser? C'est un spectacle dont je ne me lasse pas. Si je leur donne la vie, je peux bien la reprendre, non? Ça fait partie de mon métier, vous comprenez? Bon, passons à la suite. C'est vrai qu'on va peut-être quand même sortir des objets ou deux là. Putain, mais Barrett, t'as trop de points de vie, mec. C'est affreux. Ah oui, moult Pierre Mako quand même. C'est tranquille. Crève, espèce de... Ils ne comprennent rien. Bon, c'est vrai que Barrett, il est pas très fin, mais quand même. Début de l'expérience. Évacuez immédiatement la zone de recherche. Début de l'expérience. Oh! Bravo, Cloud. Je veux bien te donner un de mes jouets. Oh, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Ah, ça on l'a, voilà, ça on l'avait vu. Oh, un tape, oh oui, un tape taupe. C'est un tape taupe. Je reconnais. C'est un tape taupe. Oh le bâtard! Il a esquivé mon analyse, espèce de bâtard.
Bon, d'accord. On va d'abord faire ça. Je suis encore debout. Vas-y. Waouh, ok, c'est un délire. Hein. Je veux juste les analyser, d'accord ? On sait jamais. Bon, faible à la foudre, qu'il l'eût cru. Le département de l'armement de la Shinra a doté ses machines d'un module permettant de créer des distorsions spatiales afin de se volatiliser. Elles se téléportent ainsi près de leurs ennemis pour leur asséner un violent coup de marteau, leur infliger un certain nombre de dégâts les forçant à entrer en mode déchaînement infernal, augmentant ainsi leur chance d'entrer en état de choc. Par contre, Cloud, ça serait bien un moment que tu fasses quelque chose. Hein. Mais putain de merde. Par contre, des fois, le jeu redonne le... Comment dire, le contrôle du personnage, c'est compliqué. Hein. C'est complicado de chez complicado. Hein. Ok. Là, c'est... Là, c'est... Putain. Oh. C'est-à-dire que là, en fait, le problème, c'est que... Il faut en plus être... Il faut en plus regarder au bon endroit, quoi. Qu'en plus, il faut regarder au bon endroit, quoi. Attends, faut que je me reprenne. Ça ira. Voilà, là, c'est bien. Tu fais une petite tielle. J'envoie Kuna contre le quatrième. Oh, t'es dans la merde, là. Désolé, mais c'est pas le choix. Le meilleur moment. C'est bon ? Eh ben, c'était pas le combat le plus agréable du jeu hein, pour l'instant. Mais putain, en difficile, ça va commencer à faire des bobos ici. Hein. Bon après, certes, là il y a la découverte, donc on tombe un peu, voilà, on découvre un peu. Mais Yojo, désolé, il est parti. Cherchons la sortie. J'imagine qu'on peut pas retourner en arrière. Hein. Ah si, attendez. On le pouvait. Et surtout que du coup... Ah bah voilà, il y avait un coffre, c'est pour ça. Deux remèdes, merci. Ah, petit coffre dans le coin. Un bracelet connectif. Très bien, un bracelet connecté. Oh, 50-50, le 50-50, le bracelet connectif avec double 4 matériaux et double connexion. Ben ouais, du coup, mais c'est beaucoup trop bien. Du coup, let's go Cloud, qui du coup se retrouve avec un slot de matériaux en plus.
La deuxième matériel de soins qui va arriver niveau max, d'ailleurs. Ça, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on monte la deuxième chronomancie? J'aime bien l'idée chronomancie. Après, de toute façon, il y aura toute une phase à monter les matérias. Ça, c'est pas un souci. Je sais pas ce que ça fait, moi, ce genre de truc. Parce qu'une commande est utilisée deux fois de suite. On peut tester, hein. Je pense que peut-être ce genre de truc, c'est pas mal, hein. Ah, sinon, chronomancie... Non, mais je vais monter une autre chronomancie. Allez. Surtout que c'est 300 pour le premier niveau et ça finit sur stop. Et stop, ça peut être dévastateur. Surtout qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monstres qui sont immunisés à ce genre d'altération. Donc, je pense que ça peut devenir fort. Après, à voir. Hein, peut-être qu'en difficile, du coup, ils seront beaucoup plus immunisés. Une infirmerie, hein ? Non, personne ne soigne les spécimens. C'est ici qu'on les modifie et qu'on les dissèque. Ça me donne envie de gerber. Ça, mon cher Barrett, je suis tout à fait d'accord. Ça, les grandes, il n'y a pas moyen de trouver un coffre à un endroit ou à un autre. Ah. Ah. Je me disais que la salle était grande. C'est le même que tout à l'heure. Il a pas dû venir être traité. Qu'est-ce que c'est alors que ce truc? Pam. Capsule cérébrale. Ces monstres mis au point par le département de recherche scientifique de la Shinra possèdent un cerveau artificiel semblable en tout point à celui d'un humain. Ils peuvent recracher sur leurs ennemis les substances toxiques accumulées à l'intérieur de leur capsule cérébrale. Faible à la foudre. Très bien. Qu'est-ce que c'était que ça? What? Qu'est-ce qu'il fait? Par contre, il est... Qu'est-ce que c'est que... Il est délire, hein. Ah, il faut trouver le bon. D'accord. Il faut trouver le bon. Comment on va savoir lequel est le bon, du coup? Enfin, c'est celui qui a le... Oh là là, je vois rien, je sais pas où je suis, je sais pas où j'habite. Ah, il y en a un qui lance un truc, putain. C'est tendu. Je crois, d'accord, ok, j'ai vu. C'est lui. Ah ouais, mais c'est par contre, c'est... Non, mais là, par contre, c'est pas très agréable. Là, je vois rien. Je sais pas où je suis. D'accord, ok. Ah d'accord, ils sont tous les deux stop. D'accord. Ouais, alors. Le problème, c'est que là, la caméra ne nous aide pas du tout. C'est un peu le problème. Normalement, c'est toujours lui, hein. Je sais même pas, du coup. Non, c'est pas lui, c'est lui. C'est le E.
J'espère que c'est le E, hein. Non, ça n'a pas l'air d'être le E, du coup. Stop cérébral. J'arrive pas... Je pense que c'est ça, hein. Je pense que... Ok, ok, ok. On va juste gérer la vie, là. Mais on peut pas l'éviter, ça. Oh, l'enfer. L'enfer sur Terre. Je sais pas, hein. Du coup, je sais pas du tout lequel est le bon. Bon, après, ça va, ils font... J'allais dire, ils font pas trop de dégâts, si, quand même. Le problème, c'est qu'en fait, je suis obligé de bouffer mes barres de... Bon, après, sinon, en fait, il faut bourrer. On se souvient, dans ce jeu, il faut bourrer. Quoi qu'il arrive, dans le doute, on bourre. J'ai même pas forcé. Ne jamais oublier, hein. Ne jamais oublier que dans ce jeu, c'est plus important de bourrer que d'essayer de rester en vie. La meilleure défense, c'est l'attaque. Merde, je vais pas dans le bon sens. La meilleure défense, c'est l'attaque. En fait, non, il y avait pas de... Il y avait absolument pas de... Il fallait trouver le bon, fallait juste les défoncer. Oui, arrête de me pousser, Barrette. C'est gênant. Excuse-nous. Enfin, excuse-toi, surtout. Ici, c'est pas que les meilleures sont les plus courtes. Ici non plus, il n'y a pas d'ascenseur. Là. Je vais identifier Iris. Eh ben, ah ouais, non, mais en difficile, ça va quand même promettre. Hein. Ces passages-là. C'est le labo numéro 4. Mais pour ouvrir la porte, on doit retourner au terminal central. L'autre porte s'est refermée derrière nous. On fait comment ? J'espère qu'on n'est pas coincé. Ah là là, est-ce qu'on est softlock ? Aïe aïe aïe, le drame. On est peut-être softlock. Peut-être qu'on ne va jamais pouvoir terminer ce jeu. Terrible. Terrible, terrible, terrible. C'est le moment de sauvegarder, bien sûr. En fait, je sais même pas si on va terminer le jeu ce soir, hein. Franchement. Parce que vraiment... C'est plus on avance, plus il y a de trucs, quoi. Ah, allez mon cher rouge, c'est ton moment. Merci. Tiens, il y a un téléphone. On demande aux filles si elles peuvent aller jusqu'au terminal central. Putain. L'animation de rouge. Ah, putain, évidemment. Ça me paraissait bizarre que à un moment ou un autre, on n'ait pas des trucs, voilà, qui sortent. On rappelle que, par contre, c'est assez simple. Il suffit juste d'attendre qu'ils fassent méga foudre. Et on les défonce. Voilà, genre là. Et on fait un petit glace. Ça va te calmer. Ouais, laisse-moi faire. Évolution de la matière à soin. Et merde, dit-il. Il est mal barré. Oh.
Red 13 est tombé à l'étage inférieur en même temps que vos ennemis. Sa barre de PV est affichée à l'écran. À vous d'abattre les ennemis avant que Red 13 ne soit tué. Oh non. Oh non. Ok, bonne idée. Ta 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 ta. Red est tombé à l'étage du dessous. Vous pouvez l'aider? Oh non. Allez vite. Oh mais il va y avoir les tap top qui vont revenir. Putain de merde. Oh saloperie. La prière a redonné quasiment toute la vie aux deux personnages. C'est un truc de fou. Hein. Ok, d'accord. C'est un truc de fou. Hein. Oula, attendez. Ah oui, c'est les combattants de Monsby, là, avec... très bien, il faut du feu. Tiens bon rouge, on est là. Excusez-moi, bonjour. Allez, il est temps d'en finir. Qui a la glace? C'est Tifa. Tu sais quoi, Tifa, fais-toi plaisir. Attendez, voilà. Ah oui, pardon, excusez-moi. Putain, il a réussi à le faire. Ah, ce bâtard. Ok. J'en ai marre. Eh ben... Merci beaucoup. C'est violent. Beau travail. Comment vous allez tous les trois? On vient de trouver la porte du laboratoire numéro 4. Pour l'ouvrir, il faut retourner au terminal central. Mais ce n'était pas possible d'où on était. Peut-être qu'on peut y aller à partir d'ici? Oui, on va essayer. Ok. Que d'aventure. Qu'est-ce qu'il y a en haut de cet escalier? Ah bah oui, c'était le laboratoire numéro 3, suis-je bête.
Oh, le beau coffre. On sent quand même qu'il y a un petit up niveau bastonnade. Hein. Les ennemis deviennent de plus en plus coriaces. Oh, les tap-tops là. C'est un peu mauvais esprit quand même. Hein. Regardez, un ascenseur. Ah oui, effectivement. Bien vu. Quoi, oui. Mais il fonctionne pas. Ah. Il n'en a pas fini avec nous. C'est ça que ça veut dire. J'en peux plus. J'en peux plus d'être son jouet. Il ne reste plus que le laboratoire numéro 4. Faisons confiance à Cloud et Barrett. Bon. Est-ce qu'on va avoir un boss juste avec Cloud et Barrett? Ce qui peut être embêtant. Mais vraiment? Il y a un moment. Il y a un moment, hein. On va y aller, hein. Voilà. Hein, d'accord. Non mais oh. C'était pas si dur. On nous lâche la grappe, oui. Du coup, le numéro 4. Allons-y. Transfusion réussie. Transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée. Ça va aller. Pas vrai? Oui. Appelons Cloud pour le prévenir. Heureusement, il y a un petit téléphone. Oui. On a trouvé un ascenseur. C'est vrai? Super. Le problème, c'est qu'il ne marche pas. Ojo a dû le désactiver. On n'a pas le choix. Il faut aller au laboratoire numéro 4, comme il le souhaite. La porte de votre côté devrait être ouverte maintenant. Compris. Restez où vous êtes. Bon, on retourne à la porte du labo. C'est-y par... Ah putain, c'est bien. Il y a des copains, il y a des copains, il y en a toujours. Espèce de bâtard. Et voilà, c'est plié. Ah oui, mais de toute façon, on a un banc, c'est vrai. On a un banc. Du coup, qui vive? J'oublie qui vive. Faudrait que je fasse qui vive. Je l'oublie un peu. Histoire qu'on lui redonne sa Buster Sword. Sa Buster Sword. Je sais, faut que je sauvegarde, c'est important. La Buster Sword. Je dois commencer à se demander ce qu'on fabrique. Ouais. Qu'est-ce que c'est que c'est ce truc? Il t'admire beaucoup. C'est possible. Mais c'est possible. C'est un mec timide, en fait. Oui. On a ça en commun. Et quand on les emmerde, on peut compter sur lui. Ça aussi, vous l'avez en commun. Oh, c'est beau, Barrett, ce que tu dis. T'aurais pas dit ça au début du jeu, hein. Au début de l'histoire, hein. T'aurais pas dit ça, on le sait. Hein. Un petit tunnel. Ah non, d'accord, ok. Oh, c'est à peine. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Bon, c'est peut-être pas une salle de boss, mais en tout cas, c'est une salle de combat, c'est sûr. Non? Vraiment? Sans rire. Alors là... Le jeu m'étonne. Ouais.
C'est quoi ce bruit? Cours! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est rocher! Ah non, pas du tout. J'allais dire, ça ressemblait à une moto. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il veut nous transformer en pâté pour mutant ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'amipède. Ok, faut taper la tête, c'est important. Bon, déjà, il est plutôt lent. Charge tranchante. Ces monstres ont été mis au point par le département de recherche scientifique de la Shinra, encore au stade de développement, ils sont difficiles à contrôler, passent leur temps à chasser tout ce qui bouge depuis les airs. Pas de faiblesse, pas de résistance, une simple immunité au stop. Charge tranchante, sphère d'énergie, vrille dentelée, étincelle scintillante, c'est de l'électricité, très bien. Je compte sur toi. Heureusement que je suis là, hein. Tu vas voir. Tu vas t'en manger à ton côté. Je m'en charge. Je te tiens à toi. Ouais, vraiment, il est... Lui, il est cool, hein. Ah, il est vraiment dans le chillax le plus total, hein. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ok, ok, ok. Oh, c'est relativement sympathique, hein. Il a vraiment rien de... Non, non, il n'y a pas de partie, ni rien. Ah, c'est ça qui est fait qui est une attaque de foudre. Ok. Voilà, il faut juste pas le toucher. Je compte sur toi. Ça me va. Ça n'arrivera plus. Moi, j'aimerais bien qu'il m'attaque. Je voudrais faire qu'il vive, en fait. Là, de toute façon, dans un cas comme ça, on peut pas vraiment le... Ben, Barrette, reste pas au milieu, espèce de crétin. Oh, mais qu'est-ce qu'il est con, ce Barrette. Ah, il regrimpe. Ah! Oula! On l'a énervé! Oh punaise! Ça va être un boss. Oh, ça c'est intéressant par contre. Ça va être un boss où on switch d'équipe pendant le combat. Ça c'est pas mal par contre. Ça par contre, je trouve le concept très très bon, hein, pour le coup. J'arrive. Pas de chance. Mais Iris, qu'est-ce que tu fais? Mais Aerissu, qu'est-ce que fais-tu? En fait, si on tourne avec lui, normalement c'est ok. Ah mais putain, mais il retourne dans le... Connard! Ouais, par contre, du coup, ce qui est le seul truc qui est un peu relou, c'est que pour le viser, c'est... Et ouais, du coup, à chaque fois que... Wouah ! Oh, le délire. Mais par contre, Aerys, qu'est-ce que tu fous, Aerys ? Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Mais Aerys ! Aerys, je t'aime bien, mais là, ma grande, il faut se reprendre, là. C'est pas fini. C'est cadeau. C'est fini. Allez,
Ah ma grande, il faut se reprendre, hein. Attention, hein. Il faut que je sois fort. Ah, il faut que tu sois forte, il faut que tu réfléchisses un peu aussi, Excuse-moi, mais c'est pas possible, hein. Oh là là. Bon, garder en mémoire pour le difficile aussi, hein, contrôler Aeris, parce que... Voilà, parfait. Très bien. Oh, en rouge, vas-y. Oh là là. Allez, les deux crétins qui tapent sur la porte, là. Ah, ah. L'ascenseur n'est plus bloqué. Non, Aeris, cours pas comme ça, je t'en supplie. C'est peut-être un piège. Oh, tu crois ? Non, ici les ascenseurs sont normaux. C'est vrai ? Et les ascenseurs normaux et les pas normaux, du coup. Mais lui, c'est un normal, lui. Putain, mais oui, c'est les deux autres qui tapent sur la porte. C'est les deux débiles, là. Ah, bah, non, mais bon, faut pas leur en vouloir. Hein. La porte est verrouillée de ce côté-ci, on dirait. Alors, on leur ouvre. Faut pas leur en vouloir, hein. Très solide cette porte, hein. Voilà enfin réunis. Avec toutes ces conneries, on n'est pas en avance. Par ici, il y a un ascenseur. Hein ? Enfin, encore faut-il que Ojo nous laisse l'utiliser. Ok. Et donc, on n'a pas le choix, hein, vraiment, on n'a pas du tout le choix des coéquipiers. Donc là, on retrouve Tifa et Aeris. On va sauvegarder, hein, bien sûr. Nous allons sauvegarder. Bah, franchement, ce boss, je pense que c'était le boss du
du comment dire de ce chapitre. En tout cas, ça ressemblait à un boss, hein, clairement. J'avoue que j'ai pas été comment dire. Enfin, franchement, il y avait des combats contre des monstres, enfin contre des ennemis qu'on dira basiques, genre les tap-top là. C'était plus compliqué que ça. Là, vraiment, il n'y avait pas... bon. Je me suis pas senti poussé dans mes retranchements, quoi. À part Aerys qui meurt en faisant rien. Bon. Ça arrive, hein. Ça sert pas à grand-chose, mais ça arrive. Ah, garde renforcée. Ah, mais non, mais du coup, Cloud, l'âme n'est pas équipée actuellement. Et la deuxième garde renforcée va bientôt arriver au max. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut lui donner à Iris ? Oh, genre une deuxième magie augmentée, la dinguerie. Double magie augmentée. Parce que magie augmentée, c'est 25% à terme, en sachant que le max, c'est 100% si on en utilise plusieurs. Mais est-ce qu'on n'a pas envie de monter un autre truc d'abord ? En tout cas, les matériaux de soins sont tout au max. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, on en a une troisième. Je sais pas si... Franchement, trois matériaux de soins, je pense que ça sert pas à grand-chose. Deux, c'est déjà pas mal. Deux, c'est déjà bien. Après, on peut booster un PC augmenté, par exemple, sur Prière. Et encore que Prière est au niveau 4. On va bientôt arriver au max. Ceci dit, on a plusieurs. On a feu, glace, foudre, glace. On a un peu trop de glace. Si on a vent aussi. Du coup, c'est vrai. Enfin, le problème, c'est que si jamais on nous rebouge encore tout ça, ça va servir à rien. Cette matière de glace va arriver à son terme dans pas très longtemps. Parce que du coup, oui, celle-là, bon, voilà, on n'a pas besoin non plus que tout le monde ait 125 materia. Oh, sinon, on bourre juste la materia prière, hein. Ou alors une autre. Qu'est-ce qu'on pourrait booster? Magie augmentée. Ah, et attendez, juste un truc. Non, Tifa est niveau 30. Iris est niveau 36. Il n'y a pas de gap de points d'XP. Elle a juste un niveau de moins, mais c'est pas énorme. Parce que je pensais qu'elle aurait peut-être plus, étant donné qu'elle n'est pas dans notre équipe pendant très très longtemps. Juste cru que ça aurait pu mal se passer comme ça, mais non. Tout va bien. Ah, et Vénéfice qui est passé déjà au rang 2. Tant mieux. Il y aurait une deuxième bénéfice éventuellement. Protection. Une deuxième protection. Je ne suis pas sûr que ça serve à grand chose. Bon, franchement, on va mettre une deuxième magie augmentée. Hein. Vas-y, let's go. Hein. Vas-y, let's go, quoi. Oui, vas-y, on va. Et même celle-là, on va la turbo boost histoire qu'elle rattrape l'autre. Ou alors celle-là, on la met en prompt. Oh, est-ce que ça change vraiment grand-chose? Je ne suis pas sûr. Et donc, on a aussi deux matérias de glace. Enfin, celle-là va arriver au max dans pas très longtemps. Sauvegardons. Et faisons une pause. Moi, je propose de faire une pause.
Une pause s'impose, comme on dit. Une pause s'impose. On a bien avancé. C'est bien amusé. Et on a récupéré toute l'équipe. La team, elle est là, la team. Pour les gens du futur, c'est à de suite. Et pour les gens du présent, on va prendre une petite pause. Rebonjour, spectatrice, spectateur du futur. On est toujours dans FF7 Remake. À mon avis, on y est encore pour quelques moments, hein, parce que ça ne veut pas finir. Hein. Ça ne veut pas arriver à une conclusion. Hein. C'est toujours plus. Mais et qu'est-ce qu'on aime ça. Et ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on aime. Ah, de mettre direct sur YouTube, ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire, hein. On discute évidemment de réglages d'OBS. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'ascenseur? Rien, heureusement. Super! L'ascenseur fonctionne, on dirait. Ojo s'est suffisamment amusé avec nous. Ouais, je suis pas sûr, moi, mais bon. On a bien travaillé. À mon avis,